1 Corinthiens, pardon, 1 Corinthiens 5, verset 13 maintenant. Il dit, poussez du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants, poussez du dehors, Dieu les juge. Non, vous jugez, vous ratez, vous la félicitation, ça dit bien. Moi, je vais juger celui qui se dit pasteur. Hein? Je ne vais pas juger, comment, mort, ça l'a bloqué. Mais je vais juger, c'est du dedans. C'est du dehors, Dieu lui-même sait. Il faut monter à Yamana, yes. Bah invoquer, bah esprit, on a tout l'instant. Ce sont des esprits supérieurs. Alors, ils vont t'aider à faire la foule, mais il faut qu'ils mangent. Un esprit n'a pas besoin d'une jeep, on a besoin de jeepter, on a besoin de bilambaté, on a besoin de la ministre, on a besoin de la colonelité. C'est pour n'aller les assassiner, mais il a besoin des sacrifices. Les problèmes, bah, chrétiens, excusez-moi de vous dire, ça va vous faire mal, nous n'avons pas vraiment assez de chrétiens. Nous avons des chrétiens hypocrites. Moi, quand j'étais dans la magie, Nazao Lia ma pasteur, Nazao Lia ma chrétien. Oh. Oui, mais je vous dis, quand j'étais dans la magie. Donc ils sont faciles à sacrifier. C'est-à-dire, sont des pasteurs, mais qui n'ont pas l'onction de Dieu. Oh. La Bible dit dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les pouvoirs. Il y a des pouvoirs. Il y a les pouvoirs de Satan, il y a aussi le pouvoir de Dieu. Alors, quand vous travaillez pour Satan, Satan ne peut pas combattre Satan. Il faut beaucoup coopérer. On le dit, musique. Mais Dieu n'est pas là. Tozo, Amos 5, verset 23. Mm. Amos 5, verset 23. Bible lobi, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Yoka, Amos 5, bien Amos 5, verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes lits. Bien que vous travaillez dans la mort, aux gens, dans la salle. Bible lobi, dans 2 Corinthiens 6, 14. Quel rapport y a-t-il entre fidèles, infidèles, Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Ils ne peuvent pas collaborer. Ils ont un parti politique, tu es pour moi s'associer. Non. Et pas un Zambé. Ou bien tu es dans les mal, ou bien tu es dans les biens. C'est bien passé avec l'autre, au bon moment, ou bien aux Zandok. Il n'y a pas question à dire, oh, je suis un pied dedans. Non. Je ne sais pas. Si tu as ambition, tu es bon moment, tu es un bon moment, tu es un bon conseil. Au Kogate, même les lots, si tu as l'émission, tu es un grand passeur. Mort avant de dire, avant de tout vendre, hein? Tout ça là débat. Parce que quand on est de même obédience, quand on fil magnétique 007-450 est détruit. Et nous avons ça là, on a eu ce yotiga magie. Il n'y a pas de mécatas en église à 5000 personnes. À Kokate, parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Évangile et bébé. Si le ministre parle, le ministre a raison. Évangile et bébé. Nabanane, les soi-disant grands. Alors, grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, bienvenue chez nous. Jérémy Luemba, les Renards du désert est devant vous. En tout cas, on va essayer de parler sur l'actualité. Vous le savez très bien, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Après ce grand concert du 27 juillet au Stade des Martyrs, l'artiste et pasteur Mike Alambay a joué, c'est vrai, mais après on a suivi à travers les réseaux, à travers les différents médias, qu'il y a eu plusieurs morts, Koufi et Bélé, les jeunes femmes, les mamans, les garçons, les hommes. Je pense que cette histoire est Tiki Bakongolais un peu perplexe. Mais nous sommes là, nous profitons pour présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Alors, je suis avec un ancien démon, occultiste et magicien, pasteur Jean-Claude Mwamba. L'homme est de retour. Tous un peu opinion naïe par rapport à ce qui se passe. Bah, à mon écoute, on a un stade, on a un spectacle, on a un lieu public. Sort, bah, à mon ézaranini. Bah, on a un lieu de repos, lieu de tourment. Bah, ça l'a utilisé, bah, ça l'a captivé. Bah, on a un esclave ou comment? L'homme de Dieu est bien disposé pour nous donner certaines lumières par rapport à la magie, le monde ténèbres, ce que font les pasteurs aujourd'hui, le monde kabbalistique et consort. Papa Jean-Claude, bonjour. Bonjour papa Jérémy, bonjour, ça va? Alors merci, nous sommes très bénis par votre présence. Alors, bientôt, on s'est présenté encore une fois.
Merci. Comment on a passé Claude Mwamba, Naza, ancien occultiste à mon département. Malgré à un moment donné, Jérémy a dit que ancien démon, les démons étaient immatériels à Zaranzotote. Donc, Moutoune à Zaranzoto physique. Donc, je suis un ancien occultiste. Naza rappelle Banemongue, Dieu m'a fait grâce et suis converti. Je crois que c'est ça ce qui est primordial. Ah, vous êtes parmi les descendants, les disciples et les Mongues? Oui, Naza parmi les disciples. Balimbongo aujourd'hui converti dans le Seigneur. Alors bato ba yeba rapé bien té Balimbongo était qui prophète sorcier azaki na ni fait. Non, et Balimbongo quand on était là-bas, il se disait qu'il est Dieu, Nzamba kufaki, Jésus a échoué, yende azan ensemble Jésus ensemble à Jésus dans Nzambe. Il y a kufate mais le malheur en est qu'abote en 1940 en Équateur, mon papa c'est 1940 au Kasai, bongo ne se ba kufa. Donc il se croyait Dieu. Ouais, oui, voilà, paix à son âme. Mais bon, bino bauti na Zaïre, osa qui paix occultiste à l'époque à Zaïre, Rwanda. Et Balimbongo paix à son âme. Est-ce que vous pensez à naïe paix, vous venez à raye, vous venez à paix au tal Balimbongo, soit vous invoquez paix esprit naïe ça là. Non, nako invoquer esprit naïe parce que je suis maintenant dans le Seigneur. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, hein, les choses passées, les choses anciennes sont passées. Donc je ne peux pas les faire. Moi, au Batigal, vous n'avez pas qu'au vénérer, qu'au évoquer. Mais moi, je ne peux plus les faire. Je suis maintenant chrétien, né de nouveau. Alors, né de nouveau, mais na histoire, nous pour le Zaïre numéro 006 en Afrique. Oui. On est à ce qu'on va loger au côté de Yomoko. Non, mais j'étais initié dans le Bakamo que j'avais fait l'université de la magie et pas il y a Ibalembongo et en, où j'avais fait la grande distinction. Nam n'a pas cette idée ni n'a pas sa bande amicale Kindo parce qu'à l'époque à Mobutu Kindo kizaza akana ba papa Mikolo. Mais c'est moi qui ai fait entrer comment donner la sorcellerie aux enfants. Parce qu'un enfant, soba pese kindoki, comme je m'appelle Jean-Claude. Hein, soba bazubi, si moi, nanga, pese biso loba Jean-Claude, pese biso Jean-Claude, comme c'est mon sang, il a mon odeur. Bojo abinoye Jean-Claude Mwamba. Hein, il y a déjà l'impact, il y a déjà la puissance. Donc c'est ça que j'avais fait, le mal que j'avais fait, c'est ça. Donc thèse Noyagi, comment donner la sorcellerie aux enfants? Oui, oui. Qu'on transmettre la sorcellerie. Oui, voilà. Oui, la transmutation kabbalistique 006, transmutation. Comment les faire? C'est ça ma thèse. Et puis j'avais fait la grande distinction. C'est pourquoi Nandaye Kozoa, diplôme Nanga, na deuxième monde de païe, Moko, Brahma, Tetragamaton, Lucifer, le Somodé de Decker, Obinobo Benina Kumoya Satan. Alors, le message est passé, donc en face de moi, c'est un véritable occultiste. Mesdames et messieurs, bon Dieu l'a fait grâce. Père Abongola Mouté, Maroma, la Bible, Mouné, Niba, dictionnaire. Et Père Omar Oteya, donc tout en aïe, papa Jean-Claude Mwamba, ex-magicien, ex-occultiste. Bon, je crois que, dans toute la question, la magie au Boussala, vous bénéficiez d'un peu. Est-ce que vous avez un avantage peu au magie peut s'arrêter Moutou? Bon, magie, Satan voulait donner l'avantage aussi à Jésus. Saut aujourd'hui dans Matthieu, dans la Bible, Matthieu chapitre 4, verset 8, Bible lobi, Yokande Bible lobi. Matthieu chapitre 4, nous en avons un peu. Pardon. Voilà, Matthieu chapitre 4, verset 8. Et le diable les transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alexis Jésus, voilà gloire au Dieu, c'est Zanga. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adorer. Si tu te prosternes. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens se prosternent pour avoir la gloire là. Et lui, il donne ça facilement, il faut être sincère, il donne ça facilement par rapport à Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, excusez un peu de dire qu'il donne ça facilement. Pourquoi? Au moins, avec Jésus, il faut monter l'escalier. Tu dois passer les épreuves, tu dois passer les tentations. Mais avec Satan, il faut monter par l'ascenseur. Mbangu, mbangu. Et là, ça demande que les sacrifices humains. On te demande, Bazo Sengope, sa vitalo rouge. Ou bien, ce soit mon bal à comer la papa Nabino, ce soit moi c'est à comer la maman Nabino, ce soit mon bal à jeune, il y a Nabino à campus, ce soit moi c'est à jeune, il y a Nabino à campus. Moi, na soso au bébé Nabino, ou bien au Yazan à 5 ans. Voilà un peu. Alors, autant tu récites la prière à notre Père, na soso quand tu car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Et le diable donne ça facilement.
C'est ce qu'aujourd'hui tout le monde vous verrait, que ce soit auprès des passeurs, que ce soit dans le monde politique, tout. Les gens cherchent la gloire, le règne et la puissance. Alors, ça c'est bien noté. L'homme de Dieu, je pense que les choses passées sont déjà tombées. Mmh. Et maintenant, nous sommes de nouvelles créatures. Mmh. Tant qu'on parle de l'autre monde d'église, de l'autre monde, la réalité est belée. D'ailleurs, l'actuel ministre de la justice, Constant Moutamba, que nous saluons très respectueusement, il a initié une démarche en disant que va fermer plusieurs églises. Vous en a permis de culteter, on vous arrête, et vous avec votre église et consort. Comment tu trouves ça étant que pasteur aujourd'hui, mais ancien occultiste? Et l'église joue quel rôle? Et puis l'église là, le loning de Tambo, là, aux autres, Baraka Mogisho. Bah, ça, la bah, prophétie, bah, démonstration, bah, TikTok, hôtel, bah, Denis Le Sikoto, hôtel, bah, confusion, bah, cacophonie. Ça vous dit quoi quand vous voyez tout ça dans l'église? Ça me dit quoi? Bible, zo, banabiso, si j'ai une bonne mémoire, nalik. Si j'ai une bonne mémoire, nalik. Bible, zo, banabiso, que, pardon, en Matthieu 13, verset 38, Matthieu 13, verset 25, Bible, zo, banabiso, que, il y a livré et le blé. Ah, okay. Zambalobi, ivre na blé, il faut cola. Et Batwabino, il faut tout quatre habiter. Sobo quatre ivre ne bandele, confusion que vous allez na blé. Et quand la Bible parle de blé, c'est les chrétiens. L'ivré, ce sont les enfants de Satan. Donc, à ma qualité d'abord, en tant qu'ancien occultiste, le ministre a raison. Ah. Aujourd'hui, nos églises, je ne dis pas leur église, parce que je suis passé, nos églises à nous est remplie de puissance de la magie. Ça dit, aujourd'hui, c'est la puissance de la divination qui prédomine. Je donne l'exemple de la spiritisme dans le monde kabbalistique. Prenons un exemple typique dans la Bible. On va comprendre la divination. Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, verset 16. Écoutez ce que dit la Bible, mon ami. Acte 16, verset 16. La Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de Python. C'est l'esprit de Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Il avait l'esprit de Python. Et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Mais cette femme a dit la vérité, sont des serviteurs de Dieu très haut. Hein? Et il vous annonce la voix d'Isalie. Je suis dans Actes 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. C'est l'esprit des pitons qui ont fait des prophéties ici. Ce sont des prophéties mensongères. L'esprit des pitons, il voit tout. C'est parmi les démons les plus puissants qui voient même na caleçon, na sous-vêtement. C'est pourquoi ils ont des précisions pareilles. Mais en réalité, tout n'a pas de sangisa bango, avec précision, guerre et aussi qu'à quand, bon, peut ça moins un jour, bon, peut sauter. Donc, quand on a un esprit à Python, c'est pour. Les profits. Les profits, impressionner la population. Impressionner les gens, ils sont sous vêtements rouges, ils vous disent des vérités. Mais c'est pourquoi je vous dis, mes amis, il faut avoir l'esprit de discernement. Parce que les pitons, quand on dit les pitons, c'est l'esprit des serpents. Ah, ok. Les pitons, c'est l'esprit des serpents. Avec cet esprit-là, on travaille les serpents, babomi nyoka. Et ce babomi nyoka, basu le lait monyoka, bah travaille en gros. Miso nyoka, bah travaille bipotinaï. Akumuna makambutu, même niao. Akumuna batravara na niao, na piton ou bien avec les chats. Il te dit toute la vérité, mais il ne te donnera pas la solution. Tu le verras lui-même, il est avec des filles, il mène la vie d'impudicité. Aujourd'hui, dans tous les tribunaux, vous nous trouverez, nous les pasteurs, avec les femmes d'autrui, toujours ça. J'ai dit dans tous les tribunaux, vous trouverez, nous les pasteurs. Alors, les pasteurs ne sont plus exemplaires, comme dit la Bible. Hein? Oui, ils ne sont pas exemplaires, ils ne sont pas modèles. Ils ne sont pas modèles. C'est-à-dire, il y a beaucoup P qui sont appelés. Mais vous savez, en dehors de théologie, je suis théologien de formation. Est-ce que vous savez qu'un théologien peut donner le cours de soi? Aujourd'hui, si on me dit, bon, on ferme mon église, tout, je peux donner cours à l'humanité. Comme enseignant? Comme enseignant, comme professeur. Je peux donner l'histoire, je peux donner le cours. Donc la théologie, c'est comme l'histoire de la géographie. La différence, l'importance de la théologie, c'est seulement si vous avez le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous guider. On connaît, aller même dans
Il pèse partout. Vous trouverez même un procès qui donne la théologie. Il vous filme, il prend de la bière. Oh. Alors, donc la théologie ne te fait pas un pasteur. Non, la théologie ne te fait pas un pasteur. Il faut être appelé. Il faut avoir l'appel et la vocation. Donc, si tu fais la théologie, tu n'as pas l'appel et la vocation, c'est comme géographie, histoire. Vous êtes comme tout professeur, enseignant. Tu donnes les interrogations. Au Katibana, au PSP, moi, alors, au Tchéli, au 12. Alors, ça, c'est bien dit, l'homme de Dieu. Alors, le solo, et pasteur Ngo, ça fait toujours couler l'encre et des salives. Tout le monde a un concert, il y a Moïse Imbi et Nasta des Martyrs. Au Yaki, au lobby, non. Ce sont des signes kabbalistiques. Et tout ça. Vous avez beaucoup critiqué Moïse Imbi et Batubatala, au dénoncé Bilo Rebelé. Bon. Je parlais beaucoup de choses dans Oyo. La différence, c'est ce moni. Je dis souvent aux gens, si un pasteur est magistrat, hein, et l'eau quand il bosse, l'église va parler même des droits. Oui. Hein? N'est-ce pas toi le baga? Non, n'a bon moutou, n'a pas bien le côté. Mais j'étais une fois dans une église, un grand magistrat de la place, mes respects, il est pasteur aussi. Un grand magistrat de la place. Et il nous a appelés dans les séminaires, il disait que tout le monde est censé connaître la loi. Je lui dis, mais comment? Oui, si on t'arrête, tu ne peux pas dire, oh, n'ayez pas quitté. Donc tout le monde est censé connaître la loi. Et c'est la justice qui fait la différence dans un pays. Alors moi, j'apprends aux gens d'être prudents, d'éviter tout ce qui est de la magie. Parce que la magie, la finalité de Satan, c'est dans Jean 10:10, dérober, égorger et détruire. Alors, le mal, c'est quoi? 1 Corinthiens 2, verset 11. Écoutez ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, verset 11. La Bible dit ceci. 1 Corinthiens 2, verset 11. Oui, oui. J'oublie encore le verset. Et 1 Corinthiens 2, verset 11. Non, vous m'excusez, c'est... Oui, Nous sommes à 2:11, c'est pas là? Non, nous prenons 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11. 2 Corinthiens 2, verset 11, écoutez ce qu'il nous dit la Bible. 2 Corinthiens 2, verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Donc, quand vous laissez l'avantage à Satan, il vous prend. Quand vous laissez l'avantage avec une copine, vous prenez de la bière, bozo, mais la boue n'a pas, n'a pas, ni non, n'a pas, parce qu'il y a avantage. Les joueurs tels que Messi, n'a pas le beau bêta, bon monite, azo tourné, mais ce qui a avantage, bon gâchébi. Oh, azo tambola, n'a terre, t'es. Donc, azo tambola, po, à cause à 5, on a 4, on a dit, mais ce qui a avantage accueilli, attends, viens de la boue. Donc c'est aussi avec la spiritualité. Hein? Oui, oui. Quand on laisse l'avantage, donc ça dit, on a laissé l'avantage dans la stade. Ah. Laisser l'avantage qui ont travaillé la chose. Et quand la chose est aussi dans la main des morts, bon, c'est normal, vous appelez mort. Il faut vivre ça, c'est normal, vous appelez mort. Je crois que j'avais fait dernièrement une émission, j'ai parlé, j'ai dit aux chrétiens, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que tout ce qui se passera, je m'adresse même aux autorités, tout ce qui se passera prochainement, ça durera des morts. Parce qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices. Il n'y a pas de succès sans... comment on dit? Il n'y a pas de succès sans les sangs. Sans sacrifice. Sans sacrifice, merci. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. C'est ça. Alors, mais bah, sacrifice, en gros, à qui en profite cela? Nous avons bénéficié de bah, sacrifice. Voilà. Si je suis chauffeur, Nazwa kisinanga nana ngopo na zoka ba client belé hein ngande mna yebike en tout cas 20 rouges équité 20 rouges c'est le sang humain équité et qu'est-ce que je vais faire na ngopo provoquer accident je suis au volant ngam na yebike nando tout ça mutu kana na nzeto hein so na konya ona arbre o yora des dégâts bat ba kufa et ngapé na koko zoka mais censé les ça na sali sacrifice c'est ça. Alors ça c'est très bien maintenant au tel événement, le 27 juillet, le pasteur Mike Kalambay a fait vraiment, je dirais même un débordement, ça allait plein à craquer. Quand même, Togolo a renversé, a retourné Stade Douana. Après plein billet, Mike Kalambay aussi a fait son show.
Tomoni plein. D'abord, en tant que pasteur, tant que foule, on a bayaki pour Mike Alamba. Tu te dis quoi? Non, les foules arrivent quand on est d'une façon macro, macro-kabbalistique. Macro, c'est des niveaux supérieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu présence de ce qu'on a Oba Bengaka, présence de Oba Bengaka Pierre. Il y a trois pierres qui donnent succès dans, le, dans la vie. Il y a la pierre blanche qu'on appelle relique, Resemikua. Il y a la pierre noire qu'on appelle Kabakaba, hein, quand on va à la Mecque. Il y a la pierre qu'on appelle pierre philosophale. Il y a trois pierres. Et on a utilisé maintenant la pierre blanche. La pierre blanche qu'on appelle relique. Et quand on parle de relique, elle reste d'un saint. Là, on est dans la santé rio. Alors, le reste d'un saint là, vous entrez dans le département qu'on appelle de déesse de Madame, Margouille. Marie Margouille. Et c'est dans le département de déesse Marie Margouille qu'on appelle le monde Armstrong. C'est dans le monde Armstrong. Alors, quand on arrive au niveau du monde Armstrong, on donne maintenant, ce qu'on appelle les reliques. Et nous pouvons voir un peu dans les dictionnaires profanes qu'est-ce qu'on appelle les reliques. Baisser la roue, c'est dit ceci. Je prends les dictionnaires profanes, tu peux lire même si tu es professeur. Alors, nous sommes en train de parler de plein au oui, stade. Hein? C'est ça, je suis en train d'expliquer. Mm. Oui, et je parle des reliques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle reliques? Qu'est-ce qu'on appelle reliques? Renard, reliques. Reliques, mais c'est la roue qui dit ceci, tu peux prendre ton Android, mon frère. Reliques, ce qui reste d'un martyr. D'un saint personnage conservé dans un but de vénération. Mmh. Alors, quand on dit peut-être, excusez-moi, je parle un langage codé, Saint-Claude, ça dit Moukoua Claude. Hein? Alors, c'est Moukoua Claude qu'on est tenté de vénérer. Alors, maintenant, il est entré avec, au stade avec les reliques de qui? Or, je vous ai dit que c'est dans le monde Armstrong. Et quand on voit le monde Armstrong, c'est le monde de la magie blanche. Et quand on voit magie blanche, on voit la déesse Madame Margouille. Alors, avec ça, ça c'est maintenant la magie blanche. Alors maintenant, avec les reliques là, on donne. On devait mettre ça où? Au milieu des stades. Au centre. On... Oui, au centre. Et tu verras que tout, même le podium, ça doit être au milieu. Au milieu. Alors, les reliques là, maintenant, ça sort maintenant. Les saints là, admettons Saint-Claude, je donne un exemple terre à terre, Saint-Claude. Saint-Moua, Koufa, Moukoua, Saint-Claude, Mwamba. Je suis déjà mort. Alors, quand on me place les reliques, bâtir les reliques, puissance n'a comment dégager odeur. Parce qu'il y a des odeurs. La Bible parle dans 2 Corinthiens 2,16, il y a l'odeur de la mort et l'odeur de la vie. Ce qu'on a dégagé, odeur et à Saint-Ouen. Odeur à Saint-Ouen est comme masque au bas, foule. Tout le monde qui vient là-bas, ce ne sont pas des vivants parce qu'on a fait aussi appel à la puissance des morts. Alors quand on dit la puissance, donc mort ici, je ne parle d'une personne. Quand on fait la puissance, on fait appel à la mort, mort lui fait puissance, il demande maintenant son accord, ou bien sa puissance auprès de Manès. Qui est Manès? Papa, explication Moulaï Boy. Qui est Manès? Alors, voilà maintenant qu'est-ce que Manès a travaillé dans les stades. C'est pourquoi il y a des morts. Alors, qui est maintenant Manès, Pasteur Claude? Parce que parfois, vous parlez des choses qui n'existent pas. C'est pourquoi je prends toujours les dictionnaires profanes. On nous lit maintenant Manès. Je lis Manès dans les dictionnaires. Ça s'écrit M-A-N-E-S. Vous, professeur, je reprends lentement parce que vous posez beaucoup de questions. Manès, M-A-N-E-S, latin, Manès, dit latin, Manès, âme de mort. Dit latin, Manès, âme de mort. Alors, antiquité romaine, divinité infernale ou esprit des défunts, des ayés considérés comme vivants dans l'au-delà. Alors, maintenant, quand ces gens viennent, hein, ils sont en complicité avec mort lui-même. Et quand ces gens viennent maintenant avec Manès, mais c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez, mon frère? Même les procès, on vous interdit, vous ne voulez pas. Manès a droit de prendre. C'est l'esprit de, hein, celui de tous les gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont venus là, et ça batibasi bakoufa. Manès a besoin de sacrifice parce que mort a tient en contact la Manès et Manès a exigé, il demande. On doit donner les sacrifices. Mais est-ce que bato bakoufi na concert, il y a Moussa Lanzambe.
on ne peut pas les considérer comme étant les martyrs chrétiens. Non, ce ne sont pas les martyrs chrétiens. Ils sont partis travailler dans le monde abracadabra, pandomonium kabbalistique, monde infernal, monde Armstrong. Ils travaillent dans le monde Armstrong. Donc, c'est un sacrifice. Oui, c'est des sacrifices. Oh. Il y a des tables. Il y a des tables. Et même quand vous avez suivi, il y avait des tables là-bas. Mais je vais expliquer les deux tables. Les hein? tables pour prendre à boire, bah, table, bah, on va oui, servir. Bah, les tables la VIP. Pour, oui, il y avait des tables pour que les gens on donne à boire. Il y a d'autres tables où on mettait aussi des livres. Maintenant, je vais, pour être clair, sur la table. Oh. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 20. Écoutez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 10, verset 20. Vous m'excuserez. Je suis dans 1 Corinthiens 10, verset 20. Je dis que ceux qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons, un nom à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ils étaient déjà en communion avec les démons. 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur, à la table des démons. Ils ont participé à la table des démons avec les manesses, avec les morts. Donc, il faut qu'il y ait des morts. C'est normal dans le monde de Pandemonium, tout magicien, tout sorcier comprend. Même si vous allez demander la question à mon vieux, à ma tête, il va vous dire, c'est normal, ce sont des sacrifices. Ils sont partis. Mais est-ce que ça coïncidence, c'était étouffement, chaleur, parce qu'il y a eu débordement, bah, tout ma koufi, bah, autant la paix, ma koufi. Et selon vous, ils ont autre baga. Ils ont esprit de mort, justement, ou bien comment La chose a été préparée par une personne du monde occulte. La personne qui aidait Vita, qui aidait Imana. Et la même personne avait aussi son équipe. Mais l'équipe n'est pas comme champion du Congo. Ni champion, hein? Il y a l'Afrique qui était. ATK, équipe. Donc il y a des choses à terre, il faut comprendre. Et quand vous vous occupez de la personne-là, lui mort, il entre en contact avec Manès. Et Manès entre en contact avec Kali. Il y a la présence de Kali. Kali, c'est celui que vous appelez esprit de mort. Esprit de mort, c'est celui que vous appelez, que moi j'appelle Kali. Donc, il y a la table de démons, tout a été bien préparé. Et c'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. On nous parle ici de Kali. Ça, c'est dictionnaire, Larousse. Tu peux prendre aussi ton Android. Kali, ça s'écrit K-A-L-I. Kali, épouse de Siva, déesse de la mort. Manès, c'est la mort à récupérer. Il a droit à manger. Il a mangé. Ce sont des choses bien préparées. Donc, Manès. Yangonde, zali kosala ke. Pona ba papa, ba mela kama sangana kimia nyonso libumo ya munene te. Ongai, nabota mwako kangalisu libumo zala kate. Otika la lingundu, libumo munene. Tala ju oya dégraissement. Soko meliango, libumo pla, net kuto bota te. E bongo kote ba papa. Boye bake pona bo kolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo. Ye bake bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto. Yangonde kisi ya solo solo. Mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya ba papa. Pote libale zala elengi pe supu na nivou ya defuate. E zali ko traite maladi lokola. Impuissance sexuelle. Ejaculation précoce. Hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto. Ezongi si nzoto na yo. Mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana. Ten. Che mama Mika. Azo traité le sousou, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé, déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembara pamba pamba, yeba ke awe ezali na ba bouyi, 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo. Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyu. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote kosmetik ebiso e. Mama Mika. Reparatrice ya lo poso. Po. Nivoza ko traite banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messie. Bazalina ba produit lokola. Huile d'anana. Savon anti nduta. Anti tampon. Anti tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa.
bango bako bonga kitoko po azonga penda mubimba lokola mobali ya solo bazali pe na crème réparatrice anti vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone akutu atamu kelekete ya hydroquinone ezate pe ezala kate soki olingo benga Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Okoki kozwa bango na Avenue Pozo, numéro A17, quartier Matongé, na komi na Kalamu, référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo. +243 89 98 27 674. Tala, bako sabinote. Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, na ba produit na bango nyonso. C'est naturel! Ba invoquer ba esprit na tout na stade. Ce sont des esprits supérieurs. Alors, ils vont t'aider à faire la foule, mais il faut qu'ils mangent. Et l'esprit n'a pas besoin d'une jeep, en a besoin de jeep, en a besoin de bilambate, en a besoin de la ministre, en a besoin de la colonel. C'est pour n'aller à sa nature, mais il a besoin des sacrifices, c'est tout. Donc, vous attendez, bon, vous signez les contrats kabbalistiques du sang. Bon, je vais donner autant. D'accord, là, on va t'aider. Alors, finalement, mais où va le monde? C'est une confusion, l'homme de Dieu. Batouba Koufina Stade, vous interprétez sur la spiritualité, Mané Sazakiwana, il y avait Kali, il y avait des esprits des morts, et qu'on sort. Si vous êtes chrétien, vous êtes en église. Non, les problèmes des chrétiens, excusez-moi de vous dire, ça va vous faire mal. Nous n'avons pas vraiment assez de chrétiens. Nous avons des chrétiens hypocrites. Moi, quand j'étais dans la magie, nous avons les pasteurs, nous avons les chrétiens. Oh. Oui, mais je vous dis, quand j'étais dans la magie... Ils sont faciles à sacrifier. C'est-à-dire, sont des pasteurs, mais qui n'ont pas l'onction de Dieu. La Bible dit dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné les pouvoirs. Il y a des pouvoirs. Il y a les pouvoirs de Satan, il y a aussi le pouvoir de Dieu. Alors, quand vous travaillez pour Satan, Satan ne peut pas combattre Satan. Il faut beaucoup coopérer. C'est comme un policier Kangi Moutafar DC. Faut pas coopérer après tout son des militaires. Alors, pasteur Claude, je crois que si vous avez un coup de monde, une jeune fille, l'autre venait à peine de décrocher son diplôme d'état le jeudi. Mais le samedi à Koufi, à Belité, ça n'a pas d'explication à la famille na bango. À Belité, ça a un malaise dans le stade et puis à Kéi. Si vous avez un mouana, ils allaient. Dans lieu de repos. Non. Baké na monde Armstrong, baké na deuxième, il travaille là-bas. Hein? Tant que tant nous manesse, des esprits de mort, non? Des gens qui sont décédés. Manesse occupe des. Alors, ce que j'avais prévu, pour me sentir dans ce public, ce que j'avais prévu que Zamba Bongsa et Bakoufana 2025, mais le fait que Bakoufina 2024, baké qu'on travaille. Maintenant, il travaille. Il travaille pour la personne qui avait signé le contrat avec Brahma, Tetragamaton, Lucifario, ce modèle de Decker. Alors, ce que je travaille, c'est la date où nous avons le 25 Bakouf. Mais pour le moment, je travaille dans le monde. Manès Azok, c'est. Bakouf est la présence de Banzem Banzambe. Si tu as besoin de Banzambe, l'homme de Dieu. Il y a un concert d'un pasteur chantre. Est-ce que nous avons un moment Mawate? Est-ce qu'il faut prier pour Nabango ou bien comment on habite? On peut sauver ses âmes. Non, la question là, tu vas me poser à la fin, ceux qui ont sauvé ma âme. On sauve ceux qui sont vivants, au Bakendaki. Je vais leur montrer comment ils peuvent demander pardon et puis les passer et puis les aider. Mais ceux qui sont Koufi, ceux qui docteur a déclaré qu'il n'y a pas de Koufi, Azala ministre, Azala pasteur, tu es parti. Il n'y a plus rien à faire. On fait quelque chose, tant peut-être Azana comment, mais ceux qui ont ça Koufi, Azala Koufi. Alors, ça c'est très bien dit. Je pense que nous sommes en direct. Obi Kebato, Bakoufi, on a. Bam na bongo, ils ont vendu. Oui, oui, ils sont vendus. Bako travaille dans le monde Armstrong. Bako travaille dans le deuxième monde. Ils travaillent pour la personne qui avait signé le contrat. Et surtout que mort était là, donc on doit. Manès doit récupérer. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en train de poser des questions. Autant un chapitre. Olobi, musique. Mais Dieu n'est pas là. Tozwa, Amos 5, verset 23. Amos 5, verset 23, Bible lobi, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Yoka, Amos 5, verset 23, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes lits. Bible lobi, dans 2 Corinthiens 6, 14,
Quel rapport y a-t-il entre fidèle, infidèle, Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport entre Christ et Bélial. Ils ne peuvent pas collaborer. Ils ont un parti politique, t'es pour moi s'associer. Non. Et pas un Zambé. Ou bien tu es dans les mal, ou bien tu es dans les biens. C'est bien passé avec l'autre bon moment, ou bien aux Andok. Il n'y a pas question à dire, oh, je suis un pied dedans. Non, non, non. Alubi, éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Hein? Donc, le cantique, on a base dans les années. Et base dans les années, des mots de musique, on a bien Sakai. Sakai. Sakai, on a 747, on a bien papa. Sakai, oui, Sakai. C'est le base dans les inspirations. Pépé Calé. Oui, oui. C'est le base dans les inspirations. Ce n'est pas dire. Et on dit, éloigne de moi de vos cantiques. On a bien battu, on a bien dans les danses. On a bien dansé, on a bien jibé. C'est ça. Nous avons un bon conseil. Parce que ce sont les oiseaux de même plumage. Évangile et bébé. Si le ministre parle, le ministre a raison. Évangile et Zarobé, Nabanaï, les soi-disant grands, qui sont entrés dans la magie. Et le lot, on ne sait pas qui est qui. Hein? Est-ce que vous croyez vraiment que même les autorités aujourd'hui, non, ils ne donnent pas de respect. Ils ne donnent pas de respect. Alors, ça, c'est bien déclaré l'homme de Dieu, mais je pense que ça fait débat. Liwango est commis, est-ce qu'ils ont acquis. Pasteur Azunega touche, monde amoulé les comploté contre Abassimissa touche, ou bien il est aussi responsable dans ça. Donc, tout ça est batté si quoi. On peut aussi faire un complot contre un pasteur, Abassimissa touche. Oui, il y a le complot qu'on peut faire. T'as pas vu les photos avec mort? Oui, dans mon avis, mort, il paraît, Mokuna. Moi, j'ai dit, c'est la maman mort. Élevé, Kondé, mais il y avait trois pasteurs, un chef Koutimé, mon corps. C'est pour te dire que nous sommes au temps de la fin. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Donc, bref, je te dis ça. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Et écoutez, une grande église, liboso à l'État, mais liboso en Zambé, ils ne valent à rien. Aux grande église, le président vous doit dire respect, le premier ministre, mais liboso en Zambé, aux arrières. Alors, ça c'est très bien dit, je crois que Maramango, bah, pasteur, mais au sein de la différence entre concert et Moïse Mbi et Obenaki, bah, signe kabbalistique, Naimai Kalamba, mon différence, c'est quoi la différence? La différence, oh, monsieur, sur. Nini Vandemina, psaume 74, verset 4. Nani wana? Je ne sais pas. Naibi. Concernant Nini Fandemina, la psaume wana? Oya Liboso, Vandakina, psaume 74. Psaume 74. Oui, attends que je vais. Psaume 74, verset 4. Tes adversaires ont rougi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leurs signes. Les signes. C'est pourquoi j'avais montré des signes, même, vous m'excuserez, des signes kabbalistiques, il y a des signes kabbalistiques, il y a deuxième monde, mais Nzamba a besoin de signes mon côté. Nzamba a signes mon côté, et ça n'a pas passé Claude l'église. Hein? Nzamba a besoin de signes au terrain avec les amis. Dieu n'a pas besoin de ces signes, c'est? Hein? Et ça, hein? Dieu n'a pas besoin de ces signes. Et qui vous dit que ce sont signes de Nzamba? La Bible dit, écoutez-moi, pasteur. Jean 4, verset 23, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Pas avec pentacle à 5 grammes, hexagramme à 6 grammes, et des signes kabbalistiques, je jure fidélité à Satan, le souverain, maître 00, Apollos. Non, ça c'est la magie. Dieu n'a pas, signe tonton à l'église, signe à l'église, non, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Et en vérité, nous avons besoin de la signe. Il y a un signe. Et au lieu de ce que les années, maintenant, il n'y a pas de signe. Mais il y a la présence des morts, il y a la présence des manesses. Pour mettre un peu la confusion aux profanes. Et la plupart des gens qui sont partis là-bas, leur nom est écrit. Il y a des livres. Il y a les livres de. Il y a le livre de. Comment je peux dire? Livre rouge et les livres noirs. Alors, livre rouge en noir, bazwa kaunde, ce que bomi mout, ou kaosi mout, ou poso mout, ou monde bazwa ka poso en tabac. Hein? Alors, ça dit, on a dit, bah, parce qu'on a livre noir. Livre noir, c'est la condamnation. Je peux dire, moi, je suis aussi pasteur, hein? Mettons, Naza Ndok, vous rendez dans ça. Moi, pasteur Claude, Mwamba, l'église et coupe de délivrance, je donne à l'église, je les fais entrer dans les livres noirs de condamnation.
mais il faut que l'art, que l'art succès. Alors, ça dit, dans le cas de livre noir, il y a condamnation. Ma camion se bande au sal, à Kongin, à Tamoko, à Kouinaï, bazo tourne en rond. Alors, Nazu Bamsou n'a tient un livre rouge. Livre rouge, c'est là, excusez, Jérémie Aokoufa, le 31 juillet, il y a 2024. Il tient un livre rouge. C'est ce qui se passe là. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là sont enregistrés. Oui, justement, c'est ça le mot qui me manquait. Ils sont déjà enregistrés. Alors, quand on enregistre, c'est que ce qu'on a barré Nabik Rouge, pan, 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 barré Mwamba, barré Jérémy, bon, vous l'avez dit, ça, ok. Et vous les canaux calmes sans qu'il n'y ait pas de kézaïo. Alors, pourquoi on a un concert, un mission pour Fantôme ? On n'a pas fallu, on n'a pas fallu, ça crée des polémiques. Bon, tu as un concert à Moïse Mbié, apparemment, il y avait zéro mort. Au monde, on a concert à Mike Kalambaye Batouba Koufi. Pourquoi Salami Karana Fali, na Mike, ça a coïncidence? Bon, ça dépend des contrats. Il y a quatre parties. Il y a le pacte du sang, pacte de la parole, pacte objet, pacte désir. Quel type de pacte qu'on a signé? Est-ce que vous avez dit que les lots, comme on a mis en pour avoir un client? Ou comme on a mis en bon, vous avez dit que cet homme ici a un bon à qui? Mais force boisana ngote ana garde corps aka na force bitumba coup de tête avec Hercule mais là razate donc ils ont une option, il y a des options des tout en maths physique biochimie ndenge pesa. Alors vous allez conseiller quoi na ba chanter le musique ya nzambe ozomo nango comment s'il faut dozong na ba musique ya kala ba papa Charles Mumbaya ba musique ya ba papa na biso au bayemba ba cool ma topé ba musique ya ba kala wana na lelo. Aujourd'hui, on a un peu ce qu'ils ont. Non, parce que Claude, même si ça va vous faire du mal, bah frère, on a toujours la musique à Kala. Oh, Nyon Sololo, ils ont déjà 4 à 5 soukils. Toujours la musique à Kala. Arrêtez de décourager les gens comme ça. Non, mais je vous dis, moi, je te parle en tant qu'ancien occultiste. Je parle, non. Nazoba, toujours la musique à Kala. Oh, Nyon Sololo, pas de différence avec Ouera, pas de différence avec JB. Et au moins même un musicien moi mon qui l'azo parce que n'alinga petit aza petit nanga et me peut pas le dire à d'autres, donc c'est pour vous dire que il y a la confusion toiboyi tolongwa donc d'ailleurs musique nous sommes là au bayemba on a la possibilité de boutique en motova na oza oyakala nous sommes la couple la bouloba aux hommes même la musique bah comment tu as ancien ni succès bah ben ngango nous sommes la chaîne moko bosi nostalgie boli misanga tous on a nostalgie différence était dans le Jibazo Salana. Mais bon, ok. Tous Asmode. Qui est M. Asmode? Démon. Asmode. Démon de plaisir impire dans les livres de Toby. Donc Asmode. Alors, ce qui va bien ici, va bien à peu, représentant Rose Croix, représentant franc-maçonnerie, il y a Maïkari na Gombe, quel est le rapport entre lumière et ténèbres? Nous allons où? Qu'est-ce que vous allez me dire? Nga bobo bobo te a kinga na bongwami. Lelo yo ko ben wi sangani. Tovano, tu n'as rien à me dire? Tu n'as rien au propos chez nani? Mais l'homme de Dieu, Sikoyo, tu dis quoi par rapport à cette innovation au tomoni les chantres pasteur Mike Kalambaye a mémé les biso? Concert et Zali Nango et Bissoba Nanzambi. Mais quand même, à créer mon ouverture, il a invité Weranson, Bill Clinton, tout le monde est un comédien, Bazagiwana, Aben Sibé Fali, il était empêché, Aben Nango, frère Fali. Innovation Wana, quand même, et Zalate. Je crois que c'est quand même aussi encouragé. Zala, Nayo Kyondengo Lobby, toujours à 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Oui, 2 Corinthiens 6. Oui, vous m'excuserez. Qu'est-ce que je fais? 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité,
où y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec l'infidèle? Alors, on a tout à Benga ben fidèle. À Benga Ouéra, par exemple. Un infidèle, c'est une personne qui n'a pas Jésus-Christ. Donc, ben fidèle. Mais Bible, il n'y a pas de rapport entre fidèle et infidèle. Mais tout le temps, il y a la Bible. Ah, okay. Oui. Tout le temps, il y a la Bible. Je n'invente pas des choses, je n'invente pas la roue. Alors, j'ai tout compris. Donc, finalement, présence à Ouéra, Nenga Matena, pour de mon lieu dérangé. Moi, en tant qu'ancien 006, grand maître, Nabongama, oui, ça m'a dérangé. Comment ça? Mais, on est à un niveau supérieur. Et quel est le rapport? Comment Dieu peut agir entre fidèles et infidèles? Il n'y a pas de rapport, mon frère. Hein? Oyo, Amela Ramasanga, Azorabasi, tout le monde sait qu'il fait des sacrifices. Non. Il n'y a pas de rapport. C'est pire, ma pandumunium kabbalistique abracatabra. Donc, il n'y a pas de rapport. Mais justement, oui, rappelle quand il y a le lobby, il y a dit que, étant à Tali plein, au Maïka Sali n'a pas de Mabino, voilà, Maïka Lamba est maintenant à confirmer au côté de la cour des grands. Oui, j'ai entendu à côté de la quête, cour des grands. Merci. Je suis d'accord avec toi, monsieur le journaliste, à côté de la cour des grands. Et qui peut le faire entrer dans le cour des grands? Excusez-moi, ce qu'on a causé entre nous. Batouba, à côté de la cour des grands, Limbisanga. Ezaba Sony, Bolimbisanga, Ezaba Mukuna. Bolim César va passer contre ou bien Ouéra. J'ai posé la question. Donc il fallait ne pas côté la cour des grains, pas ma père n'est spirituel. Ah, mais c'est pas Ouéra de le faire entrer. Adi Bibi, oui, à côté la cour des grains, c'est bien. Oh, mais Ouéra, ça, mon tour de détenir record, il y a plein de stades. Donc tant que Talib est full. Et puis c'est au côté de la cour des grands. Cour des grands. Mais ce que c'est ça la pause. Bazoué bisa mutoza na Christ ba côté na cour des grands. Alors si on te fait entrer dans le cour des grands et excusez-moi, pas un chrétien hypocrite. Donc parce que batba ko côté na cour des grands. Bon, ko côté na ensemble la ponaï. Moi à côté na cour des grands. Et cour à côté na cour des grands. Ateyaka, aza pasteur. Mais ma pasteur, tout ça contre ces propos-là, les cours des grands. Mais les cours des grands, c'est quoi? Les cours des grands, c'est les castes mystiques abracatabra supérieur 005. C'est la magie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'étais dans la cour des grands. Ils se racontent les samedis. Qu'est-ce qu'on appelle samedi? Donc, cours des grands, on appelle ça le roi secte. Hein? Oh, cours des grands, ils ont secte. Et bien, reconnaître pour n'a pas Vitalo Zopesa. Quand on dit Vitalo, Vitalo, ça dit les sangs humains. Qu'est-ce qu'on appelle Sabbat? Tu prends votre dictionnaire. Sabbat, S-A-W-B-A-T. Sabbat, tout en hébreu, en hébreu, Shabbat. Repos. Jour de repos hebdomadaire du vendredi soir au samedi soir. Consacré à Dieu, dont la loi mosaïque fait à tout juif une stricte obligation. Deuxième définition, assemblée nocturne des sorciers et des sorcières qui, suivant la tradition populaire, s'éteignaient les samedis à minuit sous la présence de Satan. Et les gars jaunes. Concernant le samedi, le 27 juillet. Okay. Mais viens aller, chef allié, chaque samedi, chef allié a 2000 personnes à 3000 personnes. Donc, chef à manger, il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, c'est à vous le peuple de juger, c'est à vous les chrétiens de juger. Moi, je ne pose que des questions autour de ce que nous sommes en train de lire, de ce que nous sommes en train de voir et de ce que nous sommes en train d'entendre. Parce qu'il y a beaucoup de témoignages. Hier, j'ai eu débat avec une personne là, à Finga même, dans le téléphone, parce qu'il m'avait posé la question, je lui ai répondu. Alors, à Ebsinga, Pasteur Claude, vous êtes tellement dans l'erreur. Tu as le droit de juger. Hein? Toi, tu es là que pour regarder, mais tu n'as pas le droit de juger. C'est Dieu qui va juger. Nous avons verset. Tu es un grand pasteur, non? Je ne cite pas ton nom. Je te dois du respect. Nous avons un verset. Nous avons un verset. Nous avons un verset. Nous avons un verset. Ne jugez point. Verset, Zali. Alors, entre-temps, je vais quand même remercier. Nos amis hein, de partout, Botalabiso, Rodrick Malongo aux États-Unis, Serge Loco qui est mannequin à Paris, Yalu Zombala de Madrid, les célèbres Dienzundu à Washington. Merci infiniment à Mimi Ndoumé depuis Mouchinglaba en Allemagne. Mimi Ebandoumé, merci pour tout. Merci à Sema Mayasi, femme légitime agency Mayasi Forza Italia.
Et je n'oublierai jamais le vieux Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe depuis Londres. Vraiment, on est ensemble pour de vrai. Abonnez-vous, commentez, partagez les liens. Les numéros de mon invité s'affichent bas de vos écrans. Pasteur Jean-Claude Mwamba, il est là. Il est disponible pour vous répondre. Alors, on est là, continue. Pasteur, tu es un grand pasteur, tu as fait la théologie. Bon, pour moi, la théologie n'a rien à voir avec Dieu. Hein. C'est la crainte de Dieu que Dieu regarde. Mm. Alors, je vous donne maintenant les versets. Bao Nyus Bazaki na kat na stade. Bible Bona 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, versets 11 à 12. Mm. 1 Corinthiens 5, verset 5, va passer le collègue, bo tangango, puis bo partager, et bo tout n'a pas passé la bino. 1 Corinthiens 5, verset 11. Maintenant, 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 12. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomma frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrone. Bato a ben saki on a bazana bati trote des frères des ivrone des ravisseurs nde a ben saki po bisoto ya otala bango beto ya otala nde balataki et soit la Bible est claire. 1 Corinthiens 5 verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrone, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. La Bible dit de ne pas manger avec. Tu vas me dire, moi, en tant qu'ancien sorcier, à toi, tu as un krakan, tu as un thé, tu as un thé, tu as un thé, tu as un thé. Ce n'est pas moi que vous allez dire. Moi qui partais à la Maison Blanche, à Satan, tu as un thé, tu bêtise. Et puis, tu continues. 1 Corinthiens 5, verset 12. N'ai-je en effet à juger ce dit dehors, n'est-ce pas ce dit dedans que vous avez à juger? Lélo, Jérémie. Bah, il y a ce qui est passé Claude à Saint-Té. Pour vendre Sanga. Parce que le conseil les a bien été. Il ne faut pas suspendre. Si les ministres, il ne faut pas suspendre le prophète, ils prennent les femmes des autorités, ils font n'importe quoi. Il ne faut pas suspendre. Maman, ils ont sous-souté. Ils ont dans l'église arrivé. Il ne faut pas suspendre le prophète, pas du moins ça. Et le remoroté. Désordre. Désordre. Alors, Valobi, n'est-ce pas, en effet, à juger ce dit dedans. Donc, on juge, pasteur Claude a senté, les grands pasteurs vont m'inviter. Pasteur Claude, tu ne prêcheras plus. Oui. Mais il y a aussi quoi? Tu continues. Nazaka na 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 5, verset 13 maintenant. Il dit, poussez du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants, poussez du dehors, Dieu les juge. Non, quoi, juger, ouais, raté. Ouais, la félicitation, ça dit bien. Moi, je vais juger celui qui se dit pasteur. Hein? Je ne vais pas juger digne, comment, mort, ça la blague. Mais je vais juger ce dit dedans. Ce dit dehors, Dieu lui-même sait. Il faut monter à Yamana, yes. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci. C'était une première partie avec l'homme de Dieu, Jean-Claude Mwamba. On aura encore du temps de faire la continuité. On vous aime beaucoup. Pessa Bandego numéro et contact pour nos messages, appel, échange des idées. Merci. Pour nous, nous sommes à côté de la stade. Proverbe 28, 13, celui qui avoue est de l'Est. Ce qu'on avoue, je préfère avouer le bossa pasteur. Hein? Et puis, aux écarts, il y a un côté à l'issue. Parce que la miséricorde de Dieu dira jamais. Et puis, tant que ça, je vais vous dire que je précise bien, mon lit est mort. Et puis, au tiki âme, esprit dans le corps, ils allaient conserver dans le sang de l'agneau. 1 Thessaloniciens 5, 23. Numéro nanga pour nous rejoindre, ils ont préfixe 00 243 99 4 fois 48 298. Donc, pour les musiciens, nous avons pardon pour juger ma moto et ma kid. Oui, la félicitation. Bill Clinton. Félicitations. Ibrator Pazaki. Félicitations. Héritier Water. Félicitations. Nous jugeons ces dits dedans. N'a pas suivi dans la presse. Fallait Zaki empêcher. Félicitations. Nous jugeons ces dits dedans. Ces dits dehors. Quelqu'un qui n'a pas Christ, vous allez les juger comment? Alors, bientôt, paye double concert à Fallait dans le stade des Martyrs. Bago vivre en haut. Wane ou Kendata ba 100 personnes. Bago vivre en haut. Oh. Mané sa. Oh. Mais c'est normal. Ils ont 48 heures. Donc, deux jours, il y a concert. Oh, mais bon, moi, je ne dis rien. Tout à l'heure, au Kendata.
faut pas qu'on y recoufa. Parce qu'ils le veulent. Bah, après son conseil au boy. Bible lobi sortait de Milolingite. Bon, ce que moi je vous dis, bon, c'est pelaga kawaya, mais mon dimnanga mon côté. Oh, bah, y'a qui kuna, na longoli bang. Na oya soutenanga. Moi je l'ai chassé. Moi je suis un ancien okitis. Donc je sais ce que j'ai fait. Alors on est arrivé à la fin. Merci, merci à Papa Philippe Kabouikouna Fribourg depuis Suisse-Irlande. Maître Sizasuka, ma puissance ami Kili. Et je remercie encore une fois Rodrick Malong aux États-Unis, Kremer Makala au Canada, Hervé Gabriel Kanzal au Canada, Bozamo Ebele, Otal Arabiso, à tous les hommes de Dieu de partout. On est de cœur avec vous. Merci Naba Autorité, merci Naba Diaspora. Demeurons ensemble pour de vrais équilibres là. Soutenons-nous, priez pour nous, assistez-nous également parce que Makambo Sal les Ebele. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, merci beaucoup. Merci. Voilà, bye et au prochain rendez-vous.